c'est un gréement qui a 600-700 ans environ dans son concept actuel. C'est un des plus vieux gréements au monde, avec les jonques chinoises. Tu envoies les voiles en faisant casser tous ces petits fusibles-là. Ça, 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 ça. C'est comme un rouleau de théâtre qui serait roulé et que d'un seul coup, pour le spectacle, on tirerait là-dessus et le vent aiderait à faire péter l'histoire. J'ai jamais vu là, ça. Là, c'est carrément spectacle, là. Ça n'a rien à voir avec les gréements d'aujourd'hui, hein. Là, on cherche à comprendre comment ça va fonctionner. Au large de Madagascar, Bertrand, sa femme Cécile et cinq autres touristes français s'apprêtent à vivre une croisière assez particulière. À bord de ce vieux gréement, depuis l'île de Nosy Be au nord de Madagascar, ils doivent longer la côte ouest du pays sur 250 km. Pendant une semaine, sur ce bateau de 16 mètres et 30 tonnes, ils vont voguer sur l'océan Indien. C'est parti. Bravo. Sur le bateau, pas d'eau courante ni d'électricité, donc pas de réfrigérateur. Nicolas, le capitaine, a stocké le strict minimum dans la cale. Ça, c'est les réserves en fait qu'on a dessous. On cache un peu les plastiques, parce que le plastique, c'est un peu moche, mais il y a la réserve de sucre, d'oignons, d'ail, de poivre, etc., de thym. Ce Breton de 53 ans et les 5 membres d'équipage, tous malgaches, doivent pêcher pour nourrir les touristes. Au cas où, 3 volatiles font partie de l'expédition. Il n'y a pas de poisson, manger les poulets, manger les canards. L'objectif du jour, descendre là, on n'aura pas de vent avant 10h, 11h. Cette croisière, aux conditions spartiates, coûte 600 euros par personne. Cécile et son mari espèrent en contrepartie que ce boutre traditionnel leur assurera une plus grande proximité avec les habitants. Là, c'est un piroguier qui va à la pêche. L'autre côté, c'est un autre boutre. Voilà, il y a du monde, hein. Premier jour et première rencontre. Ces pêcheurs viennent de quitter leur village. Ils pratiquent un mode de pêche ancestral. Là, bah, c'est comme si le temps est suspendu. Ouais. On sent le bois, on sent la noix de coco, on sent la mer. Hein. Je pense que plus on se dépouille, plus on s'enrichit, en fait. Tu vois ? S'il y a les oiseaux, il y a les poissons. Ça va sauter, oui. Peut-être il y a simplement des thons, des carangues. Bref, faut aller dedans pour voir. Notamment la faune marine, une des plus riches de l'Afrique de l'Est. Baleine, je ne crois pas trop, mais requin. Requin-baleine, là, je pense que ça, c'est jouable. Ça ne marche pas à tous les coups, hein, sinon ce serait pénible. Et quelques instants plus tard, coup de chance. Il y en a une là-bas, devant là-bas. Là, juste là. Sous leurs yeux, une baleine bleue. C'est magnifique. Waouh. Oh là là, incroyable. Qu'est-ce que c'est, expliquez-le. Nice. Voilà. Vous avez vu le jet. Ouais, le jet, et puis après on a vu le dos. C'est un peu par chance qu'on les rencontre. En étant un peu observateur, mais enfin, c'est quand même par chance, on navigue à 12-15 km/h. Et une baleine, ça navigue à peu près à la même vitesse que nous. Donc, c'est si elle veut qu'on voit la baleine, en fait. Nicolas n'a pas d'itinéraire précis, ce qui réserve parfois des surprises. Hop. Voilà. Petit eau plongée. Peut-être qu'on va voir une tortue. Les petits poissons de coraux, je pense, les derrière, là-bas. Ouais. On va voir, on va raconter après. Elle est bonne, elle est chaude. Les fonds marins de Madagascar sont parmi les mieux préservés au monde.
C'est vraiment le paradis. C'est vraiment comme un aquarium. Il y a au moins 30 espèces différentes. Et puis la température, là, c'est 28, hein, je crois. 28, 29. Elle est assez chaude. Elle est très chaude, là, vraiment. Le Boutre ne possède aucune cabine. Pour dormir, il faut accoster. On va bivouaquer là. À peu près au niveau du petit cocotier qui s'avance là. Après 5 heures de navigation, les Français atteignent une zone reculée de Madagascar. Les touristes y sont très rares. Un seul accès, la mer. Pour l'instant, je valide, on va voir tout à l'heure. Mais ça me paraît pas mal, ouais. Je pense qu'on va être pas mal. C'est super d'y être. La promesse de la croisière organisée par le Français, c'est d'aller à la rencontre des populations locales. On y va, les gars ! Allez, on y va. Cécile et les autres touristes n'en sont qu'au début d'un long périple. Dans quelques heures, ils vont découvrir un petit village isolé, niché au milieu des cocotiers, où une centaine d'habitants vivent sans eau ni électricité. À plus de 6000 km de Madagascar, entre Yagon et Bagan, un couple de Français survole le Myanmar, plus connu sous le nom de Birmanie. Si je cherche Bagan. Alors, Bagan, temple 164. Pour leurs 26 ans de mariage, Anne et Jean-Baptiste s'offrent une croisière de luxe en Asie. Une première pour eux. Bah moi, c'est clairement le voyage le plus éloigné de France. Je suis jamais allée aussi loin. Et l'Asie, c'est mon premier contact. Donc voilà, c'est extraordinaire. Je vois plein de pagodes qui poussent comme des champignons partout. Là, c'est joli. C'est incroyable. Mesdames et messieurs, nous allons bientôt atterrir. Veuillez vérifier que vos ceintures sont bien attachées. Merci. Pendant plus de 40 ans, la Birmanie a vécu sous le joug d'une dictature militaire. Depuis peu, le pays s'ouvre au tourisme. L'économie du pays repose en grande partie sur l'agriculture. Mais le tourisme y prend une part grandissante. Présentez comment est Bagan. On est prête. Si on est prête, voilà, on va commencer. D'accord. Bienvenue dans la Birmanie. Comment vous appelez-vous ? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste et Anne. Anne. Ah voilà, c'est. Et vous, Jean-Baptiste. Win. Oui. W-I-N. C'est un joli prénom, oui, ouais. Win. Ah, Win, c'est, ouais. Oui, c'est gagneux. Là, ça, c'est pour l'autre. C'est l'autre ? D'accord. Qui souhaite ? Depuis les premières élections libres en 2015, les Birmans découvrent une nouvelle façon de vivre. Mais les voyages touristiques restent très encadrés. Regarde-les sur leurs deux roues, là. Ils sont à deux ou trois dessus, c'est drôle. Afin de découvrir la Birmanie, Anne et Jean-Baptiste ont choisi de ne pas séjourner dans un hôtel classique. On va découvrir le centre de la Birmanie en descendant un fleuve sur un bateau. Mais un bateau, pour nous, c'était un critère très important. Qui ne peut contenir que 70 personnes. Donc, ce n'est pas un immeuble sur l'eau, c'est un vrai bateau. Ah, là, je crois qu'on arrive. Ouais. Oh, regarde ça, je vais. Ça va être super. Jean-Baptiste et Anne vont naviguer sur le fleuve Irrawaddy. En 4 jours, ils vont parcourir 190 km, depuis Bagan jusqu'à Mandalay, la deuxième plus grande ville du pays. Après l'avion et le minibus, une barque pour atteindre enfin leur navire. Ça a un côté aventure quand même. C'est très bien. Plus on approche, plus ça a l'air bien. Alors je sais pas si on est dans des chambres qui sont au ras de l'eau là, mais c'est pas mal. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Le bateau est un des plus luxueux d'Asie. Bonjour. Enchantée, Anne. Votre hôtel manager. Okay. Ravie. Je sais pas si vous avez votre travail. Céline, une Française de 27 ans, supervise cette croisière qui accueille une centaine de clients. C'est assez rare d'être accueilli dès le premier mètre avec une coupe de champagne. Voilà. Je vous laisse sur Joshua Hou et il va vous montrer votre chambre. Merci. À tout à l'heure. Sur ce palace flottant de 102 mètres de long. Chambre 116. Okay. Mmh. Merci. Une suite et 42 cabines. Bon, bah. Elle est, c'est une belle chambre, hein. Très belle. C'est parfait.
Mais ce qui est sympa, c'est qu'on est vraiment au ras de l'eau. Ouais. Ça, je trouve ça super. Ah, c'est magnifique. T'as vu, on pourrait la toucher. Hein. Des chambres de 23 mètres carrés climatisées. Puis-je vous montrer votre salle de bain? Parfait. Okay. Super. Super. Il y a tout dans un petit espace. Ça, c'est pour le ménage. Si vous voulez faire nettoyer votre chambre, suspendez cette tête à la porte de la chambre. Celui-là, c'est pour le ménage et l'autre? Ça, c'est le signe qu'il ne faut pas vous déranger. Avec ça sur la porte, vous serez tranquille. Ouais, c'est particulier. C'est un côté vaudou. J'ai déjà trouvé ma place. Hein, okay. Si. C'est un bel endroit pour rêver. Là, c'est pas mal. On va un peu explorer. Ce que Anne et Jean-Baptiste ont hâte de découvrir, c'est le pont supérieur de leur bateau. Et là, la piscine. Non, de l'autre côté. Ah bah voilà. Ouais. Oh, là, c'est quand même super. C'est chouette, ça. Là, c'est top. Moi, j'adore. Ouais. Je n'imaginais pas ce niveau de confort et de luxe sur le bateau. C'est une divine surprise. Anne, t'as pas touché l'eau? Hein? Elle est bien, très bien. Regarde tous ces transats qui sont au bord du fleuve, là. Tu peux bouquiner, dormir, de temps en temps ouvrir un œil pour regarder s'il y a des bateaux qui passent. Regarde le paysage, c'est royal. Avant que le bateau appareille, les organisateurs ont prévu une excursion incontournable en Birmanie. Cinq heures du matin le lendemain. Ça me rappelle un peu les fourgons d'armée. Ah, j'ai peur. Non. Alors c'est vraiment pas du tout. Non, je sais. Le couple espère vivre l'un des temps forts de son voyage. Le survol d'un des plus grands sites archéologiques d'Asie du Sud-Est, la vallée de Bagan. Bonjour, je suis Clive, l'un de vos pilotes. Attention quand vous vous levez, là c'est la barre, là c'est votre tête. Je peux vous dire que la barre gagne à chaque fois. Allez, venez. Pour Jean-Baptiste, cette excursion en montgolfière est une première. Magnifique ce champ de ballon qui se gonfle là. Super impatiente, j'ai envie d'être dedans et de monter. J'aurais jamais imaginé que ça soit aussi bien. Quand je pense que j'ai failli refuser de faire ça, j'avais un tout petit peu d'appréhension de faire de la montgolfière dans des conditions que je connaissais pas. Mais c'est superbe. Au moment d'embarquer, Jean-Baptiste est à nouveau angoissé. Pour se rassurer, il répète les consignes de sécurité. On se met en position de sécurité. Voilà. Comme ça. Voilà. Comme ça. Donc les épaules bien droites. La nuque posée comme ça. Le soleil se lève. Le soleil se lève. Oh, regarde ça, c'est magnifique. C'est incroyable. C'est somptueux. Il y a une très belle lumière. Ouais. Quand il ne met pas les gaz, là, il n'y a plus un bruit. Il n'y a plus un bruit. Nous allons monter un peu plus haut et nous diriger vers le sud. Du 9e au 13e siècle, la cité de Bagan a été la capitale du premier empire birman. Pour propager la religion bouddhiste à travers le pays, les souverains ont fait construire plusieurs milliers de temples. Je comprends qu'il y ait des gens qui viennent faire le voyage juste pour ça, parce que, en fait, quand tu as vu ça, tu te dis que bon, le voyage est forcément réussi, quoi. C'est le genre du monde dont tu te souviens toute ta vie, hein, d'images. Aujourd'hui, il reste encore près de 3000 pagodes sur les 45 km² du site.
c'est juste le moyen idéal de voir Bagan, quoi. On peut pas le voir mieux que quand on est dans un ballon. Après 45 minutes de vol, tout le monde se met en position d'atterrissage maintenant. Il faut redescendre. Attention, ça va secouer. Ok, on va se retrouver allongé. Pour ça, tu dis plus ta tête. Allez. Il y a un sac, la JB. Ouais. Bah, c'était amusant, ils ont fait la totale. Ouais, on a eu droit à tout. Donc, c'était bien. La petite secousse, les trois petites secousses, et puis se coucher. Ouais. C'est un souvenir que tu gardes jusqu'à la fin de tes jours, ça. C'était bon, voilà, il n'y a pas de mots pour le dire, somptueux. Plusieurs surprises attendent encore le couple dans cette découverte de la Birmanie. À Madagascar, bien loin des excursions 5 étoiles. Cécile, son mari Bertrand et leur compagnon de voyage mettent les pieds dans un village perdu au milieu des cocotiers. Ambatofout. Les habitants vivent de la pêche et du troc. Trois ou quatre fois par an, au hasard de ses expéditions, Nicolas, le capitaine du bateau, installe son bivouac ici. Arrêtez de balayer, ce n'est pas la peine. Laissez comme ça, c'est très bien. À 47 ans, c'est la première fois que Cécile visite Madagascar. Cette professeure de français, originaire de Normandie, est passionnée par les cultures lointaines. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Comment ça va ? Ça va bien. Contente d'être ici avec vous. Ça me fait beaucoup plaisir. Dans ce village, aucun enfant n'est scolarisé. La première ville est à plus de 100 km. Est-ce que vous allez à l'école ? À l'école ? Non. Écrire ? Pour lire ? Non ? Ils vont pas à l'école ? Cécile, est-ce que tu t'attendais à ce type de rencontre ? Non. J'ai attendu un petit peu quand même. Je voulais pas non plus trop... Hein ? Je suis chez eux quand même. Hein ? Mais j'aime beaucoup ce moment-là. J'ai pas envie qu'il avance ce moment-là. Ça, c'est pourquoi ça. Moi, je te le donne. D'accord ? Ça, c'est pourquoi. Un très beau souvenir. Pas trafiqué, tu vois. Vraiment tout simple, hein ? Tout simple. Sur la plage, les hommes mettent une de leurs pirogues à l'abri. Elle pèse plus d'une tonne. Bertrand se joint au groupe de pêcheurs. Il n'y a pas de pêcheurs, on est en voyage. Pour aller d'un village à un autre village. Ils n'ont pas dit « Oh, touchez à rien !» Voilà, un petit coup de main, c'est bon. Cette barque sert à transporter les habitants ou à aller vendre sur les marchés voisins le poisson pêché. Alors chaque soir, elle est rangée sous les cocotiers pour éviter que l'humidité n'abîme le bois. Ils n'ont pas besoin de nous, mais quand même, on a senti que c'était mieux. Sur toutes les côtes, on s'entraide. Hein. Alors la technique, là, super. Hein. Une fois que c'est parti dessus, ça glisse. Impressionnant, quand même. Je note. Bertrand et Cécile profitent pleinement de la proximité avec les Malgaches et de cette vie de Robinson. Là, on va aller à la source. Enfin, on va leur montrer le chemin, on va peut-être pas y rester tout le temps. Comme ça, chacun saura où c'est la source. Par là, par là. On rejoint la douche après. Hein. Là, on a l'air de grimper. Il m'a l'air pas tout près, ouais. Quand même. Hein. Hier, c'est que c'est à 600 mètres. C'est, en fait, c'est vraiment à 3 minutes, quoi. On est à 600, 700 mètres. En fait, il faut marcher 15 minutes dans la savane pour trouver un petit point d'eau. Alors j'imagine un petit ruisseau, je sens que je vais adorer. Ça va être encore mieux que ma propre douche. Il va y avoir la nature tout autour.
Je pense que ça va être inoubliable, en fait. Mais la nature malgache est capricieuse. Ah, elle est faible. Ouh, elle est très faible. Nicolas est mal à l'aise. La source naturelle d'eau cristalline s'est transformée en trou, plein de vases et d'eau croupie. D'habitude, c'est tout joli, 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 c'est plein d'eau jusque-là. Bref, on décale la douche, ça plus tard. Je m'imaginais une source d'eau claire. C'est vrai, je m'imaginais autre chose quand même qu'un trou dans la terre, comme ça. Pas de douche aujourd'hui pour les aventuriers. Mais une consolation les attend au village. L'équipage du bateau, leur cuisine des dorades et des carangues fraîches, achetées aux pêcheurs locaux. Ah bah Simon ! Simon, tu as fait la dorade ou la carangue ? La carangue. Ok. Qui veut du riz ? À Madagascar, les aliments de base sont la viande de porc ou de zébu, le poisson, le riz, la carotte et le chou, agrémentés d'épices. Je pense que ça va être très bon. Je le sens bien. Les Français dégustent leur poisson à la main, comme les villageois. C'est encore différent de ce que moi j'ai pu m'imaginer, quoi. Pour nous, c'est un paradis. Pour nous, c'est un paradis. Et pour eux, bah, je pense que c'est pas un endroit mauvais à vivre. Je pense quand même que c'est un public particulier qui rêve de situation. Ils disent que ça leur correspond parce que ça rentre dans le rêve. Mais est-ce que les touristes se sont déjà plaints du manque de confort ? Ouais. Rarement, mais c'est déjà arrivé. C'est pas toujours simple. Bonne nuit. Ouais, et faites de beaux rêves. Vous aussi, bonne nuit. Ouais. Bon, ne bronze pas. Nous allons nous coucher. Hein, Bertrand ? Bonne nuit. Ce soir, Bertrand et Cécile se contentent d'une petite tente à même le sable. Un repos loin d'être superflu. Demain, la croisière aventure va virer à la galère. En Birmanie aussi, la navigation va se compliquer un peu. Bonne dégustation. Si les eaux du fleuve ont l'air calmes, dans son poste de pilotage, le capitaine Ouella est lui moins serein. Les yeux rivés sur son sonar, il vérifie constamment la profondeur de l'eau. 1,50 m, ce n'est pas régulier. En cette saison, le fleuve Irrawaddy est à son niveau le plus bas et le bateau peut s'échouer sur un banc de sable. Quand le sonar indique 1,30 m, ça devient très dangereux pour nous. Les vacanciers ont payé cher pour cette croisière. Alors, au moindre doute, le capitaine envoie un zodiaque en éclaireur. C'est bon, le zodiaque est prêt. Pour trouver le passage le plus sûr. Ok, mettez-le à l'eau. On diminue notre vitesse. On y va. Sous le regard d'Anne et Jean-Baptiste, le poisson pilote va sonder le fleuve pour localiser les bancs de sable. Là, c'est un petit côté aventure. On n'est pas dans des hautes profondeurs, donc la problématique de navigation est complètement différente. Comme c'est un des plus grands bateaux de la rivière, et à mon avis, ils sont extrêmement prudents. L'opération est plutôt artisanale. L'équipage du Zodiac doit guider le bateau de 100 mètres en mesurant la profondeur à l'aide d'un simple bâton gradué. 1,80 m. 2,80 m. 2,80 m là, c'est bon. Là où il y a 1,80 m, il faut passer ailleurs. Kossoutint, où est-ce qu'il y a 2 mètres de profondeur? Vous voyez cette petite pente là-bas? C'est à cet endroit.
C'est là qu'on a failli s'échouer l'année dernière, non? Oui, chef, c'est ça. On passe à droite de cet endroit, parce qu'il y a deux bancs de sable. À cet endroit, faites attention, capitaine. C'est bon, vous pouvez rentrer. Aujourd'hui, le navire franchit le passage sans encombre. La croisière pénètre dans l'arrière-pays birman. Les activités principales sont la pêche et l'agriculture. Et là, il y a un vrai village, en fait, hein, avec une construction en dur. Hein. Le fait d'être sur un fleuve, de pouvoir observer les paysans, la manière dont ils travaillent. Là, on est dans les plaines fertiles du fleuve. On voit les bateaux, on voit les villages de pêcheurs. On ne s'ennuie pas du tout. On est loin, effectivement, de longues traversées en mer où on ne voit que des vagues et peut-être parfois des dauphins. Mais le rêve de Jean-Baptiste et Anne serait de pouvoir s'aventurer hors des sentiers battus. Attention à la marche. Prenez votre temps et bonne visite. Ce matin... Non, on ne peut pas te prendre. La chef cuisinière, Ban, se joint aux touristes pour se rendre au marché de Minmu. Elle espère y dénicher de quoi nourrir les voyageurs. Nous allons acheter des produits frais, des légumes et nous verrons ce qu'il y a au marché, parce qu'à chaque fois, c'est différent. Il le faut parce que je n'ai plus aucun légume dans le frigo. La région de Minmu est l'une des principales zones agricoles de Birmanie. Ce sont les femmes qui vendent les produits des récoltes. La chef, d'origine thaïlandaise, travaille sur le bateau depuis 3 ans. Oh my God! Oh, regarde-moi ça! Laissez-moi les regarder d'abord. Elle est séduite par ses pousses de soja. On peut prendre ceux-là, ils ont l'air très bien. Ok, alors j'en prends 10, 10 paquets. Oh, et je veux aussi ceux-là pour ce soir. Ça, c'est 400. Ah, non, moi je te les prends à 300. 300. Ban sait qu'ici, elle trouvera tous les légumes dont elle a besoin pour préparer son dîner. Mais elle ne prend aucun risque avec la viande et le poisson. Les clients ne mangent pas ce genre de poisson parce qu'il est trop fort en goût. Et quand ils voient les poissons au marché, ils ne sont pas rassurés. C'est pour ça que l'on ne sert que du poisson et de la viande d'importation. Les Européens ont l'estomac plus fragile que les Asiatiques. Du coup, ils ont plus de mal à digérer. Et parmi les spécialités locales, il y en a une que Ban ne pourra jamais mettre à la carte pour des touristes occidentaux. C'est du rat. Regardez, il a ses oreilles. Ce sont des rats de rizière, pas des rats de ville. On peut dire que ceux-là sont plutôt bio. Combien ça coûte ? 500, soit 50 centimes. C'est un peu cher pour eux. Quelques allées plus loin. Il y a du monde là. On ne peut plus passer. Regarde ça. Ces petites boules là. Avec leur guide, Anne et Jean-Baptiste vont goûter un plat typique de la cuisine birmane. C'est comme un gâteau. Là, ça c'est normalement farine de riz avec des oignons, on les vient couper, mélanger, et après on les frite avec de l'huile d'arachide. Alors nous, on dit que ça s'appelle gâteau de femme et mari. Oui. Parce que femme et mari, c'est ensemble. C'est bien pour notre régime. Oui. Tu veux faire un régime deux ou trois par jour. Hein. Ah oui. Jean-Baptiste est intrigué par le maquillage des femmes birmanes. Il y a quelque chose que je voudrais bien savoir, c'est pourquoi est-ce que toutes les femmes ont Là, ça s'appelle tanaka. Ça, c'est un maquillage qui vient de l'arbre. Utilisé, voilà. Et c'est pour se protéger du soleil ? Oui. Pendant que les touristes découvrent la culture birmane,
l'équipage du bateau et lui sur le pont. Nous avons 2 heures pour faire toutes les chambres. Il y en a 40 en tout. Je vous demande de rester concentrée. Céline, française de 27 ans, supervise cette croisière de luxe depuis 3 ans. Tu fais la section A, et toi tu supervises la B, et toi la C. Tout le monde est prêt? C'est parti. Les 64 membres d'équipage briquent avec soin chaque jour les 3400 m² du navire. C'est aussi pendant l'absence des touristes que les machinistes remplissent le réservoir du bateau, qui contient 2700 litres de fuel. Tout doit être parfait avant le retour des passagers. On ne peut pas être à 98%, c'est toujours 100, 110%, 120%. Et le petit détail doit être là, et quand ils reviennent, en fait, ils ont l'impression qu'on les a attendus tout le temps. Alors qu'en fait, derrière nous, on était là et on a tout nettoyé pour que ce soit prêt. Et même si chaque salarié maîtrise parfaitement sa mission, Céline inspecte toujours une dernière fois toutes les chambres avant l'arrivée des passagers. Hi. Alors, comment se fait-je ? Vous avez bientôt fini ? Vous avez besoin de combien de temps? Une minute, deux minutes? Et rien ne lui échappe. Yoshi, tu peux aplatir l'oreiller, s'il te plaît? Bienvenue à bord! Cet après-midi, le bateau vogue vers sa destination finale, Mandalay. Il ne reste que 100 km à parcourir. Chaque voyageur profite de ses dernières heures en Birmanie. Pour Anne, hello. Bonjour. Ce sera le spa. Êtes-vous bien installé? Oui, très bien. On roule sur des routes qui sont un peu défoncées. Si on a un peu le dos douloureux, ben ça c'est extra, voilà. Sur ce type de croisière avec les prestations qu'ils offrent, c'est dans la logique, quoi, ça va avec. Mais c'est génial, voilà. Pour Anne et Jean-Baptiste, cette dernière soirée est un peu particulière. Aujourd'hui, ils célèbrent leur 26e anniversaire de mariage. Ce soir, on fait un dîner privé. Tu mets une lumière de ce côté et une autre de l'autre côté, discrètement. Comme ça, on attire les insectes. Tu peux le faire? Le dîner sera plus agréable comme ça, pour les invités. Alors là, on est en train de préparer le dîner. Un petit dîner surprise pour l'anniversaire de mariage de nos invités. C'est un des moments qu'on aimerait bien qu'ils gardent toute leur vie pour leur couple, justement, se dire, ben voilà, le 26e anniversaire de mariage qu'on a eu, c'était au Myanmar, au milieu de nulle part. On a eu un dîner privé, fait par la chef, et on a passé un moment, mais magnifique, ensemble. Allez, c'est parti. Un loup de mer et un thon pour la 5. Pam, la chef, prépare le dîner des Français à partir des ingrédients achetés sur le marché. Avec ses 9 commis, elle concocte des plats asiatiques métissés de saveurs occidentales, adaptés à la clientèle de la croisière. Ce soir, nous avons des clients particuliers. Ils ne savent pas ce qu'ils vont manger. C'est une surprise pour eux. C'est une surprise pour moi aussi. Je ne sais pas s'ils vont aimer ou pas. J'aimerais bien qu'un jour, on fasse ce genre de surprise. Bonsoir, bonsoir. Mais on va aller à un petit endroit un peu plus discret pour vous. D'accord. Vous me suivez? Merci. Donc voilà, ça c'est votre table pour ce soir. C'est gentil. Comme ça vous êtes ensemble. J'adore cet endroit. Tous les jours, je me suis mis là. Bonsoir. C'est super. C'est à cause du 26e anniversaire de mariage, c'est ça? Exactement. Grâce. Chef viendra vous voir avec un menu spécial.
D'accord. Oh, c'est adorable, vraiment. Okay. Merci. On est tout prêt pour vous. Bah, bon appétit, à tout à l'heure. Merci. Dis donc, on reviendra. Ça, c'est top. On a effectivement le sentiment d'être très privilégié, mais ce que j'aime, moi, c'est que c'est pas ostentatoire. Moi, j'aime bien cette espèce d'accueil qui a l'air très dirigé pour vous, quoi. Et là, encore plus ce soir, quand on voit ce qu'ils ont fait pour nous. C'est une espèce de complicité, je trouve. Donc ça, c'est super sympa. À nous, non. À nous. À nos amours. Voilà, et qu'elles durent toujours. Mmh. Pour cet anniversaire de mariage au fil de l'eau, la chef a cuisiné les deux poissons qu'Anne préfère. Here you are. Oh, hey, vous êtes là. Here you are. Magnifique. Voilà. C'est super. Right. So, bon appétit. Merci beaucoup. Bon appétit. Je reviendrai vous voir à la fin. Okay. Profitez bien. Enjoy. Mmh. Non mais c'est bon. Mmh. C'est bon et pour le coup elle l'a pas trop épicé du tout. Hein. Non. Ça a l'air vraiment délicieux, bah, juste comme j'aime moi le thon. Comme elle sait que j'aime le poisson, elle m'a fait un mix. Il y a une préparation avec du thon qui est très légèrement cuit parce qu'elle l'a fait roser. Il y a plein de saveurs et de parfums différents et c'est vraiment délicieux. Le fait de retrouver les légumes qu'on a vus au marché le matin, c'est pour moi, alors pour le coup, là, c'est le luxe. Il n'y a que dans ce genre de croisière qu'on peut avoir ça. Et l'équipage a réservé une ultime surprise pour le couple français. Un décor féerique. À Madagascar, c'est un peu différent. Le jour se lève sur les six tentes des Français, installées sur la plage du petit village d'Ambatofout. Malgré l'isolement et le calme, Cécile et Bertrand ont passé une nuit agitée, à cause de voisins un peu envahissants. On a regardé, on avait un crabe qui était en train de monter sur la tente, un beau crabe. J'ai essayé de le chasser, mais bon, il était très bien là, donc il a fini sur le toit de la tente. Ça fait juste bizarre au moment où on ouvre les yeux, parce que c'est pas tout à fait ce que j'attendais. Joël et Morissette, les doyennes de l'expédition, sont-elles ravies de ce confort à la dure? On a dormi comme des bébés, presque comme des bébés. C'est relaxant, c'est reposant, pas de bruit de klaxon, pas de bruit de voiture. Le rêve. Un dépaysement total pour Cécile. C'est pas grave si j'ai pas la douche. C'est pas grave s'il faut que je cherche un petit endroit pour aller aux toilettes. Une vraie découverte. On vit vraiment des choses qu'on peut pas oublier, quoi. C'est pas possible. Hein. Est-ce qu'elle n'est pas non plus prête d'oublier? Qui veut du café, qui veut du thé? C'est le système anti-moustique très artisanal du capitaine. Là, on fait un peu de fumée pour empêcher un moucheron un peu vicieux sur la plage le jour, comme ça, de piquer les gens. Et ça peut démanger des fois pendant des jours et des jours pour les gens allergiques. Hein. Tu vois, ça marche, hein, l'enfumage. Un peu trop, peut-être. Ah! C'était pour vous dire, le petit déjeuner est terminé. Non, 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 c'est un passage. Attends, la fumée va... Mais le moukafou, la petite bête trotteur, ne passera plus. Malgré le manque de confort, c'est avec regret que les Français lèvent le camp. Je crois que j'en reviendrai, en fait. J'ai pas l'impression de quitter pour toujours. Et ça sera certainement pour plus d'un jour. Cette deuxième journée de croisière doit permettre aux Français d'atteindre une petite île déserte après plusieurs heures de navigation. Mais sur ce vieux gréement, il y a souvent des imprévus. Le moteur du rafio vient de s'éteindre brusquement. Le mécano de l'équipage tente une réparation de fortune. La courroie de la pompe
du moteur, de la pompe de refroidissement a sauté. Donc il faut la remettre et la retendre, surtout c'était détendu un petit peu. Quelques minutes de patience. Hey, c'est l'avantage de ne pas être en avion. Parce qu'on n'avance pas, donc c'est le vent qui nous pousse, donc on est travers aux vagues en gros quoi. Donc on tangue gentiment, en attendant que ça reparte. Au bout de 30 minutes, immobilisé en pleine mer, Nicolas se rend à l'évidence. La panne est beaucoup plus grave qu'il ne le pensait. La poulie qui tient la courroie bouge dans tous les sens. Et ça l'a fait sauter. On ne peut pas réparer, il faut souder. Coup dur pour le capitaine. Sans moteur, seulement avec la voile, impossible de faire les 100 km prévus aujourd'hui. Un autre problème, la poulie de la pompe a cassé. Ça par contre, on ne peut pas réparer. Donc, on passe au plan B. Le plan B semble dérisoire. Pousser le boutre de 30 tonnes à l'aide de la petite annexe. Le bateau avance deux fois moins vite qu'en temps normal. Là, ça commence à être de l'aventure. Notre capitaine. De l'imprévu. Après 5 heures ballottées par les vagues, Cécile commence à avoir des nausées. Nico m'a donné deux petits cachets, là, je pense que ça va aller tout de suite mieux, hein. Il s'occupe de nous, hein. On révise nos prières en cas de... Oui, on a révisé nos phrases, on a révisé nos prières. Tout le monde tire un peu la gueule et le doute dans ces cas-là, hein. Plus ou moins, hein. On a l'habitude, je dirais, ça nous est arrivé 10 fois d'avoir des problèmes en mer. Cécile est de plus en plus mal en point. Alors Nicolas tente de motiver les touristes avec un argument plutôt étrange. Hé, hey, le voyage était moitié fini. Eh ben alors là, je vais te dire, il commence. Et ça, c'est sympa. C'est vrai. Je vous donne mes certitudes. Non, mais faites-nous entièrement confiance. N'en doutez même pas. J'aimerais bien que vous ayez cette puissance-là. N'en doutez pas, parce que ce que je ne suis pas en train de vous embrouiller, les plus beaux voyages qu'on a faits, c'est en panne. Un avis que ne partagent pas tous les voyageurs. Nicolas doit stopper le bateau. Assis-toi sur le petit banc là-bas, par exemple, ou là, si tu préfères. À mon avis, pas loin de l'eau, si tu as envie de vomir. Assis-toi pas loin, là-bas. Voilà. Joël et Mauricette, les doyennes, sont à leur tour victimes du mal de mer. Voilà, je vous propose d'aller vomir sur les bancs de sable. C'est sûr. C'est un charme que peu de gens. Parce que sur le ferry, ils te font pas cette grâce-là. T'en fais pas. La première pharmacie est à 7 heures de navigation. Le seul remède disponible, marcher quelques minutes pour retrouver ses esprits. Je me suis dit, tiens, il y a un banc de sable qui n'est pas encore envahi, ça fera terre. Donc on a trouvé une terre pour enlever le mal de mer. Ce paysage est splendide, c'est splendide. Ce qui est le plus étonnant, c'est qu'il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de développement. Sans trop jouer à l'explorateur, on l'est vraiment à chaque fois, en fait. Bon, c'est comment, là? C'est un peu mieux ou bien? Non, franchement, pas du tout. Non, faut qu'il aille dormir. Bon, ok. On n'est pas dans les conditions extrêmes pourtant, hein, je suis désolé. Hein, mais, non, mais c'est quand ça s'est c'est le mal de mer, c'est le mal de mer. Plus grave, si le bateau n'est pas remis en état rapidement, les touristes vont être obligés de passer la nuit à bord. Et il n'y a pas de cabine. Le mécano tente un coup de poker. Remplacer la pompe du moteur par celle qui puise l'eau de mer pour le refroidir. Le monsieur technique de Madagascar. Et ça va fonctionner selon vous? Oui. Ah oui, c'est de l'ingéniosité, c'est de la démerde. Il est bon, Jean-Marie. C'est malin quand même. C'est vachement malin. Mais l'équipage doit maintenant se relayer non-stop pour refroidir le moteur avec de l'eau de mer. Il ne faut pas s'arrêter, car s'il n'y a plus d'eau, le moteur casse. Malgré les efforts du mécano, la croisière a plusieurs heures de retard sur son itinéraire. Nicolas prend une décision radicale.
Bon, encore un changement de programme, il est infernal. Hein. On va se coucher à bord. Vous allez passer une nuit de rêve. Et donc, vous dormirez sur des matelas, sur tout ça. C'est bien plus confortable, même souvent, que sur les tentes. Cette nuit, pendant que les touristes dormiront sur le pont, Nicolas espère naviguer à la voile pour combler le retard. Tout le monde le sent, là, cette nuit à la belle étoile, même s'il n'y a pas beaucoup d'étoiles. Michel, ça t'est classe, Michel. Le problème, c'est que la taille du bateau n'est pas vraiment adaptée pour y faire dormir une dizaine de personnes. Non, là, on va en mettre deux. Là, on va en mettre deux. Il y en aura un autre là. Joël, je te propose de dormir là, la tête en haut, ici. Et tu vas aller là. Et tu vivras une histoire de balançoire au pire. Ah, ça va être bien. On va tous camper ensemble sur le même bateau. Moi, je trouve ça super. Et alors, en plus, quand le bateau va démarrer, on va être bien... Préparons si vous sentez que c'est pas la bonne solution, le matelas que je vais vous mettre là, vous décidez entre vous. Soyez courageux. Pépère est couché. Pépère est couché. Cette nuit, le capitaine doit parcourir au moins 50 km. Pour espérer atteindre demain, comme prévu, la destination finale de la croisière, l'île de Nosibé. En Birmanie, pas de problème de moteur. Sur le fleuve Irrawaddy, le navire poursuit sa route vers Mandalay. Il s'agit du dernier jour de croisière. La course ? Oui. Mais la croisière pourrait s'arrêter plus vite que prévu. Le capitaine Way scrute le fleuve. Au loin, trois bateaux se sont échoués sur un banc de sable. Le zodiaque du navire est parti sonder la rivière. Je ne te vois plus. Avance, s'il te plaît. J'entends très mal. Kosotint, on réduit la vitesse. Oui, capitaine. Le verdict est sans appel. Je te suis. Il faut dévier le bateau. Le capitaine doit faire demi-tour. À cause du changement du fleuve et les mouvements des bancs de sable, on ne peut pas passer. On nous interdit d'aller plus loin. Problème, le bateau est encore à 40 km de Mandalay, la destination finale de la croisière. Je pense toujours en premier à la sécurité. Celle du bateau, celle de l'équipage et celle des passagers. La sécurité est primordiale pour moi. Si j'avais pu aller jusqu'à Mandalay en bateau, j'aurais préféré. Et en même temps, c'est la nature. Quoi. Enfin, s'il y a 3-4 bateaux qui s'échouent devant nous, je comprends qu'ils n'aient pas envie forcément de passer. D'ailleurs, ils ne changent pas fondamentalement ce qu'on avait prévu. Ils s'adaptent à chaque fois. Alors effectivement, on va faire une heure de voiture au lieu de faire du bateau pour aller à Mandalay ou des choses comme ça. Mais ça paraît, enfin, c'est dans la logique des choses. C'est pas un sujet. Après un périple d'une heure et demie en minibus, Anne et Jean-Baptiste parviennent à Mandalay. La deuxième ville de Birmanie compte près de 2,5 millions d'habitants. Le couple français pénètre d'abord dans l'un des sites les plus importants de la religion bouddhiste, la pagode Kutodo. Tu dis que ça a été construit quand, c'était ? Alors ça fait à partir de 1862 jusqu'au 1868. D'accord. Ça fait 7 ans qu'il faut construire ici. Ouais. Lieu sacré pour les Birmans, cette pagode est aussi appelée le plus grand livre ouvert du monde. C'est super émouvant parce que toute l'écriture sur le bouddhisme est représentée ici, avec chaque petit bâtiment représentant une feuille, donc deux pages. Et il y en a 700 combien, Win ? 729. 729, donc voilà. Au lieu spirituel, Mandalay est aussi l'un des poumons économiques de la Birmanie.
notamment grâce à ses artisans réputés dans toute l'Asie. Il perpétue un savoir-faire ancestral. Ici sont créées les décorations qui ornent les temples et les pagodes de tout le pays. La spécialité de ces artisans, c'est avant tout la fabrication des Bouddhas. Taillés, sculptés, polis. Dans ce chantier à ciel ouvert, les artisans en façonnent plusieurs centaines chaque jour. C'est lui, il est spécialiste pour faire la tête, le visage et tout. C'est pas juste un objet de décor que les Occidentaux ramènent dans leur vitrine. Tu vois que là, ça fait vraiment partie de leur vie, Bouddha. Moi, je pensais pas que c'était à ce point, quoi. Vous n'êtes pas tenté par un Bouddha, là ? Pas vraiment. En fait, on en a ce qu'il y a. Oui, on en a d'abord, déjà, des Bouddhas. Mais là, c'est un peu lourd, à mon avis, à ramener. Le couple n'achètera rien aux artisans. Mais Anne et Jean-Baptiste ne regrettent pas d'avoir économisé pour s'offrir cette croisière de luxe. Leur premier voyage en Asie. C'était plus qu'à la hauteur de mes attentes. J'aurais pas imaginé aussi chouette, aussi beau. C'était vraiment idyllique. Au large de Madagascar, les touristes français finissent eux leur nuit. Une nuit mouvementée à même le pont de leur vieux gréement. J'ai cru que j'allais planer par-dessus. Tu vois ? Et puis alors, dans le corps, on le vivait, quoi. Hein, on sautait. Mais j'ai pas vraiment dormi, quoi. J'ai fait vraiment corps avec le bateau. Faut aimer, quoi. Ça va tout dire. Le manque de sommeil n'est pas le seul problème pour Cécile et Bertrand. À part les fruits du petit déjeuner, il ne reste quasiment plus de nourriture dans la cale du bateau. Okay. L'équipage part à la pêche. On va essayer de trouver des poissons, on va gagner à manger. C'est un peu tous les jours, on fait ça, ou presque tous les jours. Un mirou. Un mirou scellé. Ce serait sympa, un mirou scellé. Ou un vivano maori, tiens, allez. Un vivano ou un mirou, allez, voilà ce qui ferait plaisir. Le capitaine et ses hommes semblent sur deux. Ils pratiquent les eaux malgaches depuis plus de 10 ans. En plongeant en apnée, ils dépassent les 20 mètres de profondeur. Mais après 20 minutes d'effort, une seule prise. Pas de quoi nourrir la dizaine de personnes du bateau. Et l'équipement de Nicolas rend l'âme. J'ai cassé la corde de mon fusil. J'aurais dû la réparer avant de partir. Parce que j'avais vu qu'elle était abîmée. Puis j'ai dû aller, on va pas faire. Je me suis dit que ça allait être la honte, fallait pas faire ça. Nicolas ne baisse pas les bras pour autant. Bon passage. Pêche. Les deux jeunes. Passage. Hé les gars, vous avez pêché quelque chose ? Rien ? Rien du tout ? Le sort s'acharne sur le capitaine. Il tente sa chance avec une autre pirogue. À la marinée ! Par là ! Pas plus de chance. Il s'agit de paysans en route pour la ville. La pirogue glisse. Mais pour le capitaine, ces aléas font partie du concept de sa croisière. Nous, on cultive ça, cette espèce de précarité qu'on fait exprès d'avoir. Et ça, c'est l'occasion de voir, de rencontrer, d'avoir des sourires, des images, des souvenirs. C'est des vrais rapports normaux. On essaye de provoquer des rapports normaux. Pas être badaud d'un monde. C'est une aventure douce, mais une aventure. Ouais. Ah ouais. Une aventure, certes, mais il faut tout de même nourrir les vacanciers. L'équipage n'a plus le choix
il faut sacrifier les deux poulets embarqués au début du voyage. Ils étaient là pour ça, de toute façon. On les voyait déjà depuis le début sur le bateau. Je me disais bien qu'ils allaient, ils allaient passer à la casserole. Hein. Bah oui, je trouve, moi, depuis... C'est du poulet en sauce tomate cuit avec du curcuma. Et également, c'est de la mangue, pas tout à fait mûre, qui est râpée avec de la tomate, avec piment ou sans piment. Merci, chef. Waouh. Marianne. Bah, ça, je fais la sieste après. Hein. Après une semaine de croisière, malgré le manque de confort et les péripéties du voyage, Anne, Jean-Baptiste et les autres Français semblent plutôt satisfaits. Le voyage se termine où il a débuté, sur l'île de Nosy Be, au nord de Madagascar. On quitte notre grand bateau. Là, franchement, je pensais pas que j'aurais autant aimé. C'est vrai que partir 10-15 jours, en ayant un peu plus de temps sur les escales, ça fait plaisir, ça serait bien. Ce qui va être plus dur, c'est de reprendre le boulot lundi, quoi. Mais bon. Je pense que j'ai tout profité. Je reviendrai. En fait.